Le deux poids deux mesures. Partout où je vais, tout ce que j'écoute, tout ce que je lis, j'y suis confronté. C'est pas une spécificité de droite ou de gauche. C'est vrai que c'est surtout dans les médias de gauche où cela me saute à la gueule pour la simple et bonne raison qu'ils ont toujours une position morale, une position où ils vont sortir à tout un chacun leurs principes. Dans cette vidéo, on va parler d'un côté de Lou Boyard. Lou Boyard, vous le connaissez sans doute, un député LFI de 22 ans, qui vit du clash, qui ne vit que de ça d'ailleurs. Mais bon, l'avenir nous dira ce qui deviendra. Lou Boyard a eu, il y a quelque temps déjà, une incartade avec Cyril Hanouna dans le cadre de TPMP. Ce qui est amusant, c'est qu'il doit une partie de sa notoriété au fait qu'il ait participé à cette émission en tant que chroniqueur. Dans cette émission, il avait déclaré qu'il avait été dealer à une période de sa vie. J'avais fait une vidéo dessus. J'avais, suite à ce clash, fait une vidéo qui c'est celui-là, qui retrace un petit peu la vie de Lou Boyard jusqu'à l'actualité. Et j'avais fait aussi une vidéo où on présentait le bisbille qu'il y avait eu avec un petit peu des quelques explications. Des vidéos que vous pouvez retrouver en cherchant un peu sur ma chaîne. Elles sont pas très très loin dans le temps. De l'autre côté, on a Arrêt sur Image. Arrêt sur Image, j'en ai également parlé il y a très peu de temps, quand j'avais abordé le cas de Amélie Menu, qui avait rendu fou les gens de Arrêt sur Image parce qu'elle avait utilisé des techniques monstrueuses pour réussir à avoir des interviews de certaines personnes. Elle n'avait pas donné sa vraie identité. Où la vilaine? Alors, on nous disait dans l'article d'Arrêt sur Image que oh là là, quand on est journaliste, on applique les je sais plus quoi de Munich et tatati et tatata, tout en ne disant pas que régulièrement des organes de gauche utilisent des manœuvres identiques ou bien pires pour avoir des informations. Je vais pas dire que Mediapart fait ça, je vais pas dire que Libération fait ça, je vais pas dire que Arrêt sur Image fait ça, je vais pas dire tout ça. Que j'ai pas enquêté, mais les quelques informations que j'ai pu collecter m'invitent à penser que la probité professionnelle sur laquelle ils s'axent est un petit peu, ou plutôt n'est pas aussi clean qu'ils veulent bien nous le dire. Donc là, aujourd'hui, on a Arrêt sur Image, on a Lou Boyard, et moi je dis, il y a quand même des trucs bizarres selon les individus. On va voir ça après un petit jingle, parce que je le vaux bien, et vous aussi. Je vous parlais du deux poids deux mesures. Oh bah on me voit plus, oh bah je suis tout blanc. Oh bah tant pis, hein. Bah, c'est très bien comme ça. Bah. Dans cet article de la CIJM, qui est l'Observatoire du journalisme, informé sur ceux qui vous informent, et c'est vrai que c'est intéressant, ils nous ont fait un petit article dans lequel ils nous parlent d'un enregistrement qui a été fait lors d'une interview de Lou Boyard, dans le cadre d'une enquête, et qui a été réenregistré, puisque en fait, Monsieur Lou Boyard s'est rendu compte que ce qu'il avait dit n'était peut-être pas si clean que ça, et que cela pouvait porter ombrage à sa réputation. Attendez, j'essaye de recadrer un petit peu le truc pour voir mon petit museau délicat. Là, hop, et voilà, le retour du petit museau délicat. Alors je peux peut-être augmenter un petit peu la taille de l'article. Oui, bon, ça implique d'autres problèmes, mais bon, on va quand même le faire et on va décaler après. Vous avez droit à la petite mécanique. Normalement, j'essaye de faire avant, hein, c'est quand même mieux. Hein, ça, c'est pour vous éviter de perdre du temps, hein, que vous ayez que le gras de l'actualité et pas toute la préparation. Mais bon, comme je le disais, il y a un deux poids deux mesures. Cet article, le faire sortir, et je trouve ça assez intéressant. Donc je vais vous le lire, et je me permettrai de le commenter légèrement, mais vous allez vite comprendre. Quand Arrêt sur Image censure un enregistrement du député LFI du Boyard, où il parlait de son passé de dealer. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là.
Ah, petit Louis, le Louis Boyard devenu député LFI grâce à sa douteuse célébrité comme chroniqueur dans la non moins douteuse émission TPMP, alias Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Petit Louis qui accède à son quart d'heure warolien en attaquant son ancien employeur sur la même TPMP. Petit Louis et son passé de fumeur de moquette, un petit peu traficot certes, mais pas trop, on se refait une virginité et on est rattrapé par la patrouille. Arrêt sur image de Daniel Schneiderman se livre depuis 1995 à l'analyse de l'étrange lucarne et de son environnement, souvent avec talent et même parfois avec courage. Sauf quand Daniel Schneiderman décide de couper une séquence lors d'un enregistrement du 18 novembre 2022 où Louis Boyard avait la langue un peu trop bien pendue sur son passé de dealer de drogue, l'effet de la moquette, on ne sait. Et demandait à être réenregistré, ce qui fut fait illico presto. Voyez déjà, le deux poids deux mesures. Nous reproduisons tel quel le texte du médiateur d'arrêt sur image, rendons hommage au médiateur d'arrêt sur image pour ce texte et à Daniel Schneiderman pour sa publication. Ils n'ont pas non plus, et ça a porté leur crédit, ils n'ont pas caché le fait qu'il y a eu dans la rédaction une décision a priori assez rapide. Ils n'ont pas caché le fait que, en fait, l'interview qu'ils ont faite n'a pas été tronqué. On a adapté un petit peu au personnage parce que c'est un copain, parce que il est de la mouvance. Ce qui n'aurait pas été fait pour un élu, par exemple, pérenne. S'il avait fait une déclaration un petit peu borderline, croyez-moi, elle aurait été gardée. Et on n'aurait pas refait cette partie de l'interview. D'où le fameux deux poids deux mesures. Une première dans l'histoire de l'émission. Invité sur notre plateau, les députés Louis Boyard, interrogé sur son passé de dealer, a très mal vécu la séquence. Après avoir quitté notre studio, il est revenu et a demandé à notre présentateur du jour, Daniel Schneiderman, de couper la séquence. Daniel lui a proposé de la tourner de nouveau et d'enlever la séquence initiale. Une décision prise sans demander l'assentiment de la rédaction, ni de la rédaction en chef, et qui appelle donc ce billet du médiateur. Daniel le concède. C'est une première depuis la création d'Arrêt sur image en 1995. Une séquence de l'émission est supprimée au montage. Dans notre numéro de ce 18 novembre, Daniel Schneiderman recevait le député LFI Louis Boyard pour parler de son passage rocambolesque de la semaine dernière sur C8 dans Touche pas à mon poste. Sauf qu'à la fin de l'émission, introduite par l'extrait d'un numéro de TPMB de 2021, dans lequel Boyard avoue à l'antenne avoir été dealer, a été tourné a posteriori, puis rajouté à l'émission d'origine, en lieu et place de la séquence qui clôturait initialement l'émission. Désolé pour le bruit, hein. La décision de Daniel de couper l'émission originale pour réenregistrer la séquence de fin a logiquement abouti sur le rédacteur de ce médiateur. Le tournage de l'émission avait pourtant bien commencé et se déroulait normalement, mais en fin d'émission, Daniel évoque les adversaires du député LFI, qui tape sur lui en parlant de Boyard le dealer, dans un numéro de TPMP de 2021, du temps où Boyard était chroniqueur chez Hanouna, l'étudiant d'alors avait évoqué son passé de dealer afin de pouvoir gagner de l'argent. Daniel souhaite avoir la réaction de Boyard sur le sujet. L'intéressé esquive dans un premier temps, dit qu'il ne faut pas tout personnaliser et que sur le sujet de la drogue, il ne veut pas s'étaler. Boyard enchaîne sur la question de la drogue en général avant de se faire rattraper par Daniel qui lui demande s'il regrette aujourd'hui. Boyard le coupe, répète qu'il ne veut pas s'étaler sur ça et qu'il n'est pas là pour parler de sa vie mais de politique. Daniel relance sur sa façon de présenter ce choix à l'époque, lui qui avait insisté sur la misère qu'il subissait en tant qu'étudiant précaire. Boyard, on est dans des situations que tant qu'on ne les a pas vécues, on ne peut pas imaginer. Daniel souligne que sur ce sujet, la démarche du député Boyard rompt avec celle de Boyard chroniqueur de TPMP. Boyard répond qu'il était à cette époque autant chroniqueur que militant. S'ensuit un dialogue lunaire, ici résumé. Boyard, racontez-vous pour les gens qui sont sur la caméra que vous avez dealé. Daniel Schneiderman, moi, j'ai jamais dealé. Boyard, me demandez pas de faire des choses que vous connaissez pas. Respectez la parole des gens. Ouais, c'est lunaire, hein. On sait pas ce qu'il veut dire. Après, encore un court échange où Daniel lui demande « Vous ne croyez pas à la force du témoignage par rapport à la parole politique ?» Boyard répond qu'il faut écouter les témoignages de tous les gens qui ont envie de témoigner.
Juste après que Daniel a pris congé des abonnés, l'antenne est rendue et Boyard quitte le plateau et nos locaux visiblement agacés. Quelques minutes plus tard, Boyard et son attaché de presse reviennent dans la rédaction et, accueillis par Daniel, entrent dans son bureau. Selon Daniel, Louis Boyard lui aurait alors présenté ses excuses pour son énervement et expliqué que la question de son passé de dealer était trop douloureuse pour lui pour des raisons personnelles. Bah pourquoi pas? Le député propose alors de couper la séquence mais de revenir à un autre moment chez Asie pour en parler. Daniel refuse, on ne coupe pas nos émissions. Après un quart d'heure d'échange, Daniel et Boyard passent un marché. La séquence sera coupée mais une nouvelle version doit être tournée sur le champ. Avec l'extrait de TPMP de 2021 où le député et les filles évoquaient son passé de dealer. C'est cette fin d'émission que nos abonnés peuvent visionner aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé d'avoir pris la bonne décision. Ce marché conclu par Daniel pose de nombreuses questions, pour ne pas dire de nombreux problèmes à la rédaction d'Asie, donc arrêt sur image, et réclamait des explications et des clarifications. Daniel a accepté la demande de Boyard car la première version de la séquence montre un Boyard complètement déstabilisé, incapable de raisonner. Je cherche souvent à pousser mes invités dans leur retranchement, pas à créer le malaise. Même si, reconnaît Daniel, il y a des malaises significatifs. Mais pas dans le cas de Boyard selon lui. Je n'aime pas piéger mes invités, je préfère quand ils sont dans de bonnes conditions pour produire une réflexion. Et d'insister, la deuxième version est incontestablement plus intéressante que la première, je trouvais que cette première fin était nulle. Précision, Boyard n'était pas au courant que ce sujet allait être abordé dans l'émission, Daniel ne donnant de précision à l'invité sur le déroulé de l'émission que si celui-ci les demande. Toujours est-il que c'est un Daniel visiblement très perturbé qui concède au médiateur « Je ne suis pas persuadé d'avoir pris la bonne décision ». Cette décision pourrait-elle créer un précédent que l'on pourrait nous opposer à l'avenir? Daniel le craint, mais affirme « Je ne suis pas lié à cette décision. Si quelqu'un me demande de couper un passage d'une émission future que je refuse et qu'il m'évoque Boyard, je saurais répondre pourquoi je l'ai fait dans ce cas-là et que je ne le referai pas dans un autre. » Oui, c'est clairement pourquoi il ne faut pas le faire du tout. Ton argumentation, ta réponse, elle tient, c'est pas une histoire de tenir la route. Tu te décrédibilises. À ce niveau-là, tu n'as plus aucune crédibilité. Tu l'as fait une fois. Une fois suffit. D'ailleurs, Daniel l'aurait-il fait dans un autre cas que celui de Boyard, par exemple, avec un jeune député RN de 22 ans? Je ne peux pas dire. Mais si, tu peux dire. Tu ne l'aurais pas fait. On le sait. Il y a un deux poids deux mesures. Tu penses à l'avenir politique d'un jeune gars de la France Insoumise, t'en aurais rien à foutre de l'avenir d'un jeune député du Rassemblement National de 22 ans. Il t'a pas besoin de répondre, on le sait. Il est clair que le jeune âge du député a joué sur les affects de notre présentateur du jour. Il n'est pas exclu que j'ai eu un accès de sentiments paternels. Foutage de gueule. Qui peut avoir des sentiments paternels pour lui, Boyard? Je suis même pas certain que ses parents ont ce type de sentiment envers lui, sans vouloir être désobligeant. Mais vous avez vu le bestiau? Sérieusement? Aucun problème, Daniel a pris cette décision de grande importance, sans concertation, ni avec l'Assemblée Générale des Salariés, ni avec la direction en chef. Il se trouve que Laurie Guémard, rédacteur en chef, n'était pas présent à ce moment-là, parti en interview en dehors de nos bureaux. Si Laurie avait été là, j'aurais pu lui en parler, le faire venir dans le bureau. Tu aurais pu simplement l'appeler par téléphone, lui répond-on. C'est vrai. Daniel nous fait remarquer d'ailleurs que cette décision d'ordre éditorial ne revient pas à l'AG, mais reconnaît que si l'ensemble de l'équipe avait refusé de faire ce montage, cela aurait été plus confortable pour lui de revenir sur sa décision alors qu'il avait donné sa parole à Boyard. Daniel sait que cette décision va faire réagir, et certainement pas en bien, mais il réaffirme son credo. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses du moment qu'on est transparent. Comme ici, modifier la fin d'une émission normalement tournée dans des conditions du direct, en espérant que ça ne se reproduise plus. Un doute qui vaut réponse. L'article se conclut avec simple remarque. La séquence interrogation-hésitation, le présentateur l'aurait-il fait dans un autre cas que celui de Boyard, par exemple avec un jeune député RN de 22 ans? Je ne peux pas dire. Et particulièrement savoureuse, oui. Il peut pas dire. Donc s'il peut pas dire, c'est que c'est non, il l'aurait pas fait. Donc que dire, que penser, que voir? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Cet article pour moi ne fait que confirmer ce que je pense et ce que je ressens. La vérité est ailleurs. Les journalistes ne transposent pas la vérité, ils transposent la vision qu'ils ont de la vérité. En tout cas, l'article était très intéressant.
Il permet, une fois de plus, de constater que il faut se méfier de ce qu'on lit, il faut se méfier de ce que l'on entend, et que tout n'est pas aussi clair qu'on veut bien le croire.